Eh bah comment ils vont les copains? La team CSA Dome Games c'est de retour. Hier bah y avait rien sur FS19. Hein. Donc pour ça normal pas de vidéo. Quand c'est comme ça on va pas se faire suivre. Bon normalement il y a des choses qui sont arrivées aujourd'hui. Hein? Un petit pneu quand même. Oh oui, il y a pas mal de choses. Donc une Kaweco, 40 000 litres, 48 000 euros. Différentes peintures, différentes configurations hein, royales. Moi j'aime bien. Moi, ouais, il y a un petit peu de choses quand même. La New Holland, bah, on l'avait déjà l'autre coup, ils ont dû faire des mises à jour au-dessus. Ouais. Patch autocollant, voilà, vous voyez. Un nouveau patch là-dessus, donc ça va avec. On a un cas Hashish Farm Light 935. Ouais, ça reste un télescopique, hein. C'est royal. Ça fait du nouveau véhicule. Là, on a la passerelle qu'on avait déjà sur PC. Donc ça doit être marrant pour aller couper les branches. Ça, c'est vrai que dans le 17, on ne l'avait pas et c'est vrai que c'est top, quoi. Franchement, c'est pas mal. Ça, c'est bien, ça. Ça, je valide plus que je valide. Donc ça, j'installe, vous voyez. Bon, le petit cas, j'aime bien les télescopiques, donc on le prend aussi. Hein. Bon, après, on a un transport pour les vaches, les cochons, tout ça. Donc une remorque, hein, une espèce de bétaillère encore, hein, pour mettre les bestiaux là-dedans et puis les transférer d'un pâturage à l'autre. Bon bah là c'est des fourches, hein, double fourche hein, pour manipuler un peu de tout. C'est royal. Non bah ça va, ils ont mis pas mal de choses là quand même. Hein. On n'est pas. Donc les doubles fourches c'est bon. Là on a un cultivateur, hein. Ouais, bah comme d'hab. Hein. Un pâturage pour les vaches, 50 000. On peut mettre jusqu'à 100 vaches, ok. Encore un cultivateur, Stronog. 5 000, vitesse de travail 15 km/h, 3 mètres de largeur. Voilà, bon, on a une nouvelle mise à jour pour les remises qui sont fort sympathiques. Donc, ça là, on le fait tout de suite. On valide la mise à jour, normal. Après, on a une machine à babal, la pré-presse à babal. Bah, on l'a déjà eu l'autre coup. Je disais qu'elle avait une belle tronche. C'est ça que je comprends pas là. Ouais. Vous voyez, y a pas mal de choses qu'on a déjà eu. Le lion, pareil, je crois qu'on l'a eu. Celui-là, on l'a pas eu, par contre, c'est les petites, normalement, voilà, les petites babales. Donc celui-là, il est nouveau, le Calignani. Là. 35 000, 15 km/h, vitesse de travail. Minimum 55 chevaux, il vous faut pour travailler avec. Bon, ça, toujours pareil, hein, c'est pour les véhicules qu'ils ont mis. Hein. Ah, vous voyez. Drive liner. Bon, après, c'est beaucoup de choses. Qui ne sont pas si violentes que ça. Hein, tellement c'est violent, je suis pas motivé quoi. Il y a deux choses qui m'intéressent pas mal, c'est ça, couper les arbres, c'est pas mal. La petite nacelle et puis le télescopique qui va avec, hein, c'est chic. Donc voilà, moi j'aime, on attend tous l'Itachi hein, sur PS4 et puis Xbox One, je pense. Hein. Chose que à mon avis on n'aura pas. Ainsi va la vie. Faut être patient, la patience est une vertu. Bon, sur ce, à ce soir, pour ceux qui suivent ETS2. Sinon, bah à demain, pour la suite des aventures sur Farmville Simulator 19 PS4. Allez, bonne soirée les vilains, tchuss!